Bienvenue à la première journée Orléans Tech Conf. Orléans Tech Conf, c'est un événement organisé par l'association Orléans Tech sur une journée qui rassemble plus de 15 partenaires et plus de 160 participants autour de thématiques techniques comme le DevOps, l'intelligence artificielle ainsi que la réalité augmentée. Un événement comme Orléans Tech Conf permet de faire connaître notre métier auprès des personnes qui vont assister à la conférence, d'avoir des collaborateurs qui assistent à des conférences techniques, de proposer des speakers, comme c'est le cas aujourd'hui, pour faire des présentations. Comme notre métier est basé sur technologie, nos collaborateurs intervenant sur toutes les technologies du marché, il est évident qu'on soutient fortement toute initiative orientée en matière de technologie et ITM Région est partenaire depuis quasiment le début de Orléans Tech, qui est une association qui fonctionne très très bien. Je suis venu avec deux collègues parisiens. Vu qu'Orléans n'est pas très très loin de Paris, on a pris notre journée, on est venu en train ce matin. Mais aujourd'hui, on a vu plein de choses différentes, certaines plus théoriques, d'autres un peu plus pratiques, orientées vers les opérations, par des profils différents aussi. Je suis ici en tant qu'ambassadeur de la Cloud Native Computing Foundation. Et donc, je vais essayer de démontrer, par l'objet d'une présentation et de démonstration, comment concrètement, au quotidien, ça peut aider un développeur. Pourquoi y assister? Parce que c'est des conférences qui sont hyper intéressantes, qui ouvrent les yeux et l'esprit sur plein de choses et plein de sujets différents. Matin, j'étais speaker exactement, j'ai parlé de machine learning à l'échelle du développeur et mon objectif était de montrer ce qu'il est possible de faire aujourd'hui, c'est en perpétuelle évolution, en tant que développeur en utilisant des outils qui sont disponible clé en main sur l'étagère, il y a juste à piocher dans toute une série d'outils. C'était la première édition, donc j'étais là aussi pour voir et puis éventuellement donner un petit coup de pouce, mais il n'y avait pas besoin, c'était parfait, l'organisation est impeccable, donc je recommande à tous ceux qui l'ont loupé de venir l'année prochaine.